Nous avons dit hier that Isaac entered into the purposes of God. Qu'Isaac est entré dans les desseins de Dieu by trustful obedience to his father who was walking with God. Par une obéissance de confiance à son père qui était en train de marcher avec Dieu. By loyalty to his father and the call of God on his life. Par la loyauté à son père et à l'appel de Dieu à sa vie. Sur sa vie. By accompanying his father in the obedience that the father rendered to God. Par le fait d'accompagner son, en accompagnant son père dans l'obéissance que son père rendait à Dieu. And we applied it to ourselves. Et nous avons appliqué ceci à nous. The Muslims don't allow their children to wander away from what they believe. Le musulman ne laisse pas leurs enfants. Les musulmans ne laissent pas leurs enfants de s'égarer par rapport à the Muslims do not allow their children to wander away from what they believe. Les musulmans ne laissent pas leurs enfants s'égarer de ce en quoi ils croient. De leur religion. No Jehovah Witness allows his child. Aucun témoin de Jéhovah ne laisse son enfant to abandon what he is. Abandonner sa religion. No Roman Catholic wants his child to abandon his religion. Aucun catholique romain ne veut que son enfant abandonne sa religion. They take them to prayer. Il les amène à la prière. They take them to the mass. Il les amène à la messe. No native doctor allows his children to abandon the trade that he has inherited from his father. Aucun tradit praticien ne laisse son enfant abandonner la profession qu'il a reçue de ses parents. Je me rappelle, je me souviens du frère Dieu donné Jamel. Il m'a dit that when his father was going to the forest to look for different leaves. Que lorsque son père allait dans la forêt à la recherche de différentes feuilles to come and cure people, pour venir guérir, soigner les gens, the father would take his father. Son père l'amenait avec lui to show him this leaf cures this. Pour lui montrer, voici cette feuille soigne de telle chose. You must give this quantity. Tu dois donner cette quantité. You must eat it a little. Tu dois chauffer comme ça un peu. He was trained. Il avait été formé. Today he's a professor at the university. Aujourd'hui, il est un professeur à l'université. A professor of pharmacology. Un professeur de pharmacologie. He is doing scientifically what his father taught him when he was a baby, when he was a child. Il fait aujourd'hui scientifiquement ce que son père lui a enseigné, lui avait enseigné lorsqu'il était un enfant. No Babylonian man will allow his children to abandon the worship of their ancestors. Aucun homme babylonien ne va laisser ses enfants abandonner l'adoration de ses ancêtres. Le culte à ses enfants. Valoriser l'appel que nous devons donner de la
Joshua said, as for me and my family and my house, we shall serve the Lord. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. As for me and my house, moi et ma maison, we shall serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. It is a blessing to have parents who have believed. C'est une bénédiction que d'avoir des parents qui ont cru. During our family retreat, pendant notre retraite de famille, we had a family retreat before I came here. Nous avons eu une retraite de famille. Une retraite de famille avant que je ne vienne ici. In the family retreat, pendant la retraite de famille, Priscilla shared how she did her the last 40 day fast. Priscilla a partagé sur comment elle a fait accompli le dernier jour de 40 jours. Then she said, et ensuite elle a dit, as I finished that fast, que pendant que elle, en finissant ce jour, I resolved to enter the ministry of fasting. J'ai pris la décision, j'ai résolu, merci, d'entrer dans le ministère du jeûne. And in my heart I said, dans mon cœur j'ai dit, she has decided to follow her mother. Elle a décidé de suivre sa mère. It may take long. Ça peut prendre beaucoup de temps. But if you walk with God, mais si tu marches avec Dieu, you will provide something that your child can enter into. Tu vas pouvoir quelque chose dans lequel, dans laquelle ton enfant peut entrer. If you walk long enough, si tu marches suffisamment longtemps with God, avec Dieu, and you serve the Lord, et si tu sers le Seigneur, you will provide something that your child can enter into. Tu vas pouvoir à quelque chose dans laquelle ton enfant peut. Over and over and over, I notice it. Encore et encore et encore, je l'ai remarqué. The Bible says Timothy. La Bible dit que Timothée had the same faith that had been in his grandmother, Lois. And he told the brethren, et il a dit, I was convinced
J'étais convaincu that the name of Jesus should be sacrificed. Que le nom de Jésus doit être effacé. And that is what I did. Et c'est cela que je fais. And then he says, et ensuite il dit, but God had mercy on me because I acted in ignorance. Mais Dieu a eu pitié de moi parce que je travaillais ainsi dans, parce que j'agissais ainsi, pardon, dans l'ignorance. So in their family, ainsi dans leur famille, what they knew that would please God, they labored with. Ce qu'ils savaient plaire à, qui plairait à Dieu, ils s'efforçaient de faire cela. So he could say, donc ils pouvaient dire, I thank God, je remercie Dieu, that I am serving God with a clear conscience as my ancestors did. Que je suis en train de servir Dieu avec une claire conscience, tout comme mes ancêtres. L'enfer. Tout comme mes ancêtres l'ont fait. In their family, dans leur famille, they follow conscience. Ils suivaient la conscience. Please. Ils suivent la conscience. Leur conscience. Leur conscience. In their family, dans leur famille, if somebody knows that this is what will please God, they do it. Si quelqu'un sait que voici ce qui va plaire à Dieu, il le fait. They may be mistaken. Il pourrait être dans l'erreur. Paul says, Paul dit, I was ignorant. J'étais ignorant. But I was doing it with my whole heart. Mais je le faisais de tout mon cœur. I was doing it with my whole heart. Je le faisais de tout mon cœur. So a clear conscience does not mean that what you are doing is pleasing to God, but that all the light that you have, you are full of it. Donc une claire conscience. Conscience claire. Donc une conscience claire ne veut pas dire que ce que tu es en train de faire plaît à Dieu. Mais cela veut dire que pour autant que tu connais la, par rapport à la lumière que tu as eue, tu es en train de suivre cela. La lumière que tu as reçue, tu es en train de suivre cela. Qui a compris? Et Paul, their family? Dans la famille de Paul, they follow God with their whole heart. Ils suivaient Dieu de tout leur cœur. If they know that this thing will please God, si ils savent, et s'ils savent que cette chose-ci va plaire à Dieu, they do it. Ils le font. In Timothy, their family, dans la famille de Timothée, if they see anything that comes from God, si ils voient quelque chose qui vient de Dieu, they believe it, they receive it. Ils croient cela et ils reçoivent cela. That's why Timothy was able to believe Paul. Voilà pourquoi Timothée était en mesure de croire Paul. Voilà pourquoi Timothée a pu croire Paul. In their family, dans leur famille, they don't reject something that when they know that this thing comes from God. Ils ne rejettent pas quelque chose lorsqu'ils savent que cette chose vient de Dieu. It may condemn them. Cette chose pourrait les condamner. What they see may condemn them. Ce qu'ils voient peut les condamner. They may not measure up to it. Ils peuvent ne pas être à la hauteur de cela. But they will say, this is from God. Mais ils vont dire, ça c'est de Dieu. And they will receive it. Et ils vont recevoir cette chose. They will believe it. Ils vont la croire. They may not be able to measure up to it. Ils pourraient ne pas être à la hauteur de cette chose. Mais ils vont la croire. The power to see something. La puissance pour voir quelque chose. La puissance de voir quelque chose. And know that this thing came from God. Et de savoir que cette chose est venue de Dieu. And but say that this one is not for me. Mais de dire que cette chose-là, ce n'est pas pour moi. Mais de rejeter cela, Timothy was not like that. Timothée n'était pas comme cela. And there are many people who are like that. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme cela. When they see a person walking in holiness, quand ils voient qu'une personne marche dans la sainteté, personne marchant dans la sainteté, je me dis, c'est pour d'autres.
They may reject. They may see that this is from God and reject it. Ils pourraient voir que ceci vient de Dieu. Ils peuvent voir que ceci vient de Dieu et rejeter cette chose. I said, this one is not for me. Et dit que cette chose est rejetée la chose. I said, this one is not for et dit que cette chose-là, c'est seulement pour le frère. Que ceci est juste pour le frère Zach. Les gens du frère Zach. Que ceci est juste pour les gens du frère Zach. Que ceci est pour le genre du frère Zach. Ce n'est pas pour des croyants ordinaires comme nous. Qui me comprend? When I was in Nigeria, quand j'étais au Nigeria, when you preach, quand tu prêches, you talk about people following God in a mad way. Tu parles des gens qui suivent Dieu. Et tu parles des gens qui suivent Dieu de façon effrénée. Then somebody will say, alors quelqu'un va dire, this one is not for Nigeria. Ah, ceci, ça ne concerne pas le Nigeria. Ce n'est pas pour le Nigeria. Ah, this one is not for Cameroon. This Cameroon Christianity. Et ça, ce n'est pas. Et ça, c'est pour le Cameroun, la chrétienté. Qui m'a compris? When I preach. Quand je prêche. This one is not Nigeria gospel. On dit, ça ce n'est pas l'évangile du Nigeria. And this one is for Cameroonia. Et ça là c'est pour les Camerounais. Or they will say that this is for those Koumouyi kind of people. Ou ils vont dire que ça c'est pour le genre de Koumouyi. Koumouyi is the founder of Deeper Life. Koumouyi c'est le fondateur de Deeper Life. This is for Koumouyi kind of people. Ça c'est pour le genre de Koumouyi. They are not like Timothy. Ils ne sont pas comme Timothée. For people in Timothy's family. Dans la famille de Timothée. When they see what comes from God. Quand ils voient ce qui vient de Dieu. They accept it. Ils l'acceptent. They follow it. Ils suivent cela. They accept it. Ils l'acceptent. That's what it means by. C'est ce qu'il veut dire. When Paul told Timothy. Quand Paul dit à Timothée. I saw the same thing in your grandmother. J'ai vu la même foi dans ta grand-mère Eunice. I saw the same faith in your mother Lois. J'ai vu la même foi en ta mère Lois. And I see that same faith in you. Et je vois cette même foi en toi. What did he see? Qu'avait-il vu? He saw a family. Il avait vu une famille. That accepts truth. Qui accepte la vérité. That believes it. Qui la croit. That follows it. Qui la suit. In the family of Timothy. Dans la famille de Timothée. It flowed. Ça coulait. And Joseph told his brothers. Joseph avait dit à ses frères. I am going to present you to Pharaoh. Je vais vous présenter à Pharaon. Tell Pharaoh. Dites à Pharaon, we are shepherds. Nous sommes des bergers. As were our fathers. Tout comme nos pères étaient des bergers. We are shepherds. Nous sommes des bergers. As were our fathers. Tout comme nos pères étaient des bergers. From Mark has a junior brother called David. From Mark has a junior. Le frère Marc Adjapo a un petit frère qui s'appelle David. One time, une fois, I called David. J'ai appelé David. I wanted David to be responsible. Je voulais que David soit responsable. I wanted David to do some work. Je voulais que David accomplisse une certaine travail. I wanted David to make money. Je voulais que David fasse de l'argent. I wanted David to marry. Je voudrais que David se marie. David opened that passage. David a ouvert ce passage. We are shepherds as were our fathers. Nous sommes des bergers tout comme étaient nos pères. And he told me. Et il m'a dit. There is no other job for anybody in our family than to be pastor.
Il n'y a pas d'autre travail pour quelqu'un dans notre famille que d'être pasteur. I am condemned to be a pastor. Je suis condamné à être un pasteur. Whether I have food or I don't have food. Whether I marry or I don't marry. Que j'ai de la nourriture ou que je n'ai pas de la nourriture. Que je sois marié ou que je ne sois pas. Mais marié ou non. Merci. Que je me marie ou non. We are shepherds. Nous sommes des bergers. As well as our fathers. Tout comme nos pères étaient des bergers. He was telling me. Il me disait. Il était en train de me dire. The runs is a family. Ça coule dans la famille. The runs in the family. Ça coule dans la famille. We are shepherds. Nous sommes des bergers. As well as our fathers. Tout comme nos pères étaient des bergers. I have not forgotten that Davidic catechism. Je n'ai pas oublié, je n'ai jamais oublié ce catéchisme davidique. It was partly true. C'était en partie vrai. While he was escaping from responsibility. Pendant qu'en même temps il était en train de fuir les responsabilités. But I understood him. Mais je l'ai compris. Every tree it grows where it is planted. Chaque arbre, hein, là où on l'a planté. When you enter and see the road, quand tu entres et vois, quand vous allez entrer et voir Pharaon, dites-lui, we are shepherds after our father. Nous sommes des bergers, tout comme nos pères étaient des bergers. That is what our family does. C'est ce que fait notre famille. That is what our family does. C'est ce que fait notre famille. That is the trade of the family. C'est là la profession de la famille. We are shepherds, we are ancestors. Nous sommes des bergers, tout comme nos ancêtres étaient des bergers. We are. What in your family? Your family. Dans ta famille. What are you about spiritually? Qu'êtes-vous spirituellement? What are you about spiritually? Qu'êtes-vous spirituellement? I told the brethren. J'ai dit aux frères. That when I'll be around 65 years old, if Jesus tarries. Que quand j'aurai environ 65 ans, si Jésus tarde à revenir. I am now. Now is what? De 1962 à maintenant, c'est combien? I will be 55 this year. J'aurai 55 ans cette année. If Jesus tarde. Si Jésus tarde. I will be 65. Quand j'aurai 65 ans. I will retire from active leadership. Je vais prendre la retraite du leadership actif. And I will become professor. Et je vais devenir professeur. In the World University of Prayer and Fasting. À l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Hallelujah. Amen. I will lecture on prayer. Je vais donner des cours. Je vais enseigner sur la prière. On walking with God. Sur la marche avec Dieu. On fait. Sur la foi. I will keep a beard and I will touch my beard now. Je vais laisser pousser une moustache et je vais toucher mon moustache. And say, et je vais dire. After 40 years of walking with the Lord. Après 40 ans de marche avec l'Éternel. After 50 years of walking. Après 50 ans de marche avec l'Éternel, I say this to you as one who has seen it happen. Je te dis ceci. Je vous dis ceci en tant que quelqu'un qui a vu cela se réaliser. I will lecture the World University of Prayer and Fasting. Je vais donner des cours à l'Université mondiale de prière et de. That is what is in our family. C'est ce qui est dans notre famille. My
father was a theologian. Mon père était un théologien. He was a lecturer in the Presbyterian Seminary. Il était un enseignant au séminaire presbytérien. Runs in the family. Ça coule dans la famille. I must finish my job as the son of my father. Je dois achever mon travail en tant que fils de mon père. Alléluia! Amen! I will lecture. Je vais enseigner. And in your family? Et dans votre famille? What will you do? Qu'est-ce que tu vas faire? As were our father. Tout comme était nos pères. When I have gotten the gold, quand j'aurai porté le but jusqu'à 100 millions, I will withdraw. Je vais me retirer. Pray. Et prier. In CMFI. Dans la CMCI. In the ministry of Rastak. Dans le ministère du Rastak. We all finish our ministry by prayer. Nous tous, nous achevons notre ministère par la prière. We pray. Nous prions. Pray. Nous prions. I will pray. Je vais prier. And I will teach on prayer. Et je vais enseigner sur la prière. I must finish my course. Je dois achever mon cours. Non, je dois achever ma course. As a man of prayer. En tant qu'un homme de prière. As a man, as an intercessor. Comme un intercesseur. That's how CMFI finishes. Voilà comment. On finit dans la CMC. That is how we finish. Voilà comment on finit. With all the authority I have gathered from teaching the word of God, from leading, from being a missionary, I will pray prayers of authority. Say amen. Amen. De toute l'autorité que j'ai, que j'aurai en enseignant la parole de Dieu, que j'aurai à se rassembler. Avec toute l'autorité que j'aurai acquis en tant qu'un enseignant de la parole de Dieu, un missionnaire, un homme d'État, un dirigeant. Alléluia. Amen. Un pasteur, un évêque de l'église, de méga église de Yahweh. Quand j'aurai assemblé toute cette autorité, je vais prier de prier de ressort. Amen. Amen. Et aussi avec tous les prix. Les problèmes que j'ai eus, avec tous les coups que j'ai reçus dans la vie, avec tous les insultes, les souffrances que Dieu a utilisées pour me mouler, me cogner à droite, me cogner à gauche, me cogner d'en haut, me cogner d'en bas, me porter, avec tous ces coups-là, je vais me présenter devant Dieu. Comme un ignace bien filé. Alléluia. Amen. Seigneur, merci de ce que les coups sont bons. Amen. Amen. We finish in prayer. Nous achevons dans la prière. CMFI. Dans la CMCI. We finish as intercessors. Nous achevons comme des intercesseurs. Finish as intercessors. Nous achevons comme intercesseurs. Nous finissons comme des intercesseurs. Alléluia! Amen! Seigneur, c'est pour nous modérer et nous
jamais à prier. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Lord, thank you for the beautiful way, a beautiful picture on how to finish our careers as servants of the Lord in CMFI. Thank you, Lord, for the knowledge, the experience being acquired in active service. And thank you, Lord, for the opportunity you give us when we withdraw from active service to be people who stand before God, who intercede, who pray. Oh God, thank you. Because we shall be men and women of God's presence. People who minister to God and who minister from God's presence. So that what you give us is accomplished. We bless you, we thank you, Lord. Because we are people who finish our spiritual career as intercessors, as people in the presence of God. Oh God, who intercede, who pray, who teach on prayer. Glory be to you, oh God. Amen. Amen. Seigneur, les professions coulent dans les familles. Merci, oh Dieu, de ce que même dans les ministères, les carrières coulent. Merci de ce que, en ce qui nous concerne, Seigneur, la plongée, le paroxysme, oh Seigneur, le point le plus élevé, c'est d'être intercesseur, se tenir devant toi, prier et amener l'existence par la prière, les choses que tu as révélées, que tu as communiquées. Merci Seigneur pour tant d'honneur à notre ministère. Merci parce que nous ne finissons pas devant les hommes. Merci parce que nous ne finissons pas même dans la rue. Oh Seigneur, tu nous élèves, tu nous élèves. Tu nous bâtis une autorité devant toi. Et nous pouvons l'exercer à la fin de nos jours. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as dit à nos enfants en ce moment. Seigneur, tu as parlé de Timothée, Seigneur, tu as parlé de Joseph. Seigneur, tu as parlé, Seigneur, et tu as fait le parler à nos enfants. Seigneur, je peux te parler qu'ils entendent ta parole en ce moment. Oh Seigneur, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils ouvrent les oreilles. C'est pour comprendre ce que tu as fait de leur dire en ce moment. Oh Seigneur, qui commence à voir autour d'eux, qui commence à observer dans leur famille, en leurs parents, en leurs grands-parents, qu'est-ce qui coule. Seigneur, je prie au nom de Seigneur Jésus-Christ, que ta parole vienne de sortir en ce moment. Oh Seigneur, descend dans le cœur de nos enfants et commence à produire les transformations nécessaires. Et commence à ouvrir leur cœur, Seigneur, pour que tes desseins pour leur puissent s'accomplir, Seigneur. Te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, nous prions que tu ouvres les yeux. Non seulement de nous, Seigneur, qui sommes en train de prendre la pente, oh Seigneur, mais de cette jeune génération, pour voir la prière comme la chose la plus importante, la plus grande, la plus élevée, la plus glorieuse. Oh Seigneur, s'y préparer, s'y investir et commencer à acquérir un CV dans ce domaine, Seigneur. Nous te supplions, donne-nous des intercesseurs à partir de cette génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lord, we also pray, have despised or rejected God's call on that person's life. We see it as a glorious thing. And repent deeply and enter into your God. So they can say, we as our fathers are those who walk, who serve the Lord. We as our fathers are those who walk in the truth. Who once the truth is seen, they follow it. And those who walk with a clear conscience. Or we pray, because the children know that which is the strength of their families, of their believing parents. Grant them not to reject it or to neglect it, but to lean on it as their strength and their blessing. Amen. 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 Say amen. Marie Jane, I wasn't saying that the children should observe what is in the parents. I was saying that like Isaac and Abraham, the parents should take the children out. Children are not supposed to be to function by empirical observation. They are to be carried along. They are supposed to be carry your child into your home. Amen, ton enfant. Entraîne, merci, ton enfant dans ton appel. That is what all the people of the Bible did. C'est ce que tous les gens de la Bible ont fait. Alors, there is a family of in Lagos.
la famille, la famille, dans la famille à Kintola Williams, tout le monde est comptable. Cela fait déjà 7 générations. Des enfants de la famille Octoria, c'est des femmes, femmes, lawyers. Everybody is a lawyer. Tout le monde est avocat. Yes, Rotini Williams. Rotini Williams. Cette famille Rotini Williams. Everybody is a lawyer. Tout le monde est avocat. And trustful surrender. Ben Abba.
Isaac had a brother. Isaac had a frère. He was called Ishmael. Il s'appelait Ismaël. When Isaac was born, quand Isaac était né, Ishmael did not rejoice with the family. Ismaël ne s'était pas réjoui avec la famille. When they were having a birthday party, quand ils avaient une cérémonie, une fête d'anniversaire, over the birth of Isaac, concernant la naissance d'Isaac, Ismaël went out to the corner. Ismaël a laissé tenir au coin. And you look at Isaac. Et qui va regarder Isaac? Qui va regarder? Everybody was dancing. Chacun dansait. Show us how you got me. Come on, show us. Viens nous montrer comment il se faisait. Just what you were doing now. Do it for them. Do it. Come here. Just do it. Do it for them. So Ismaël was mocking. Donc Ismaël se moquait. He did not join his father. Il ne s'était pas joint à son père. He did not accompany his father in joy. Il n'avait pas accompagné son père dans sa joie. He did not join in the party. Il ne s'était pas joint à la fête. He made himself a stranger. Il s'est rendu lui-même un étranger. To his father's things. Vis-à-vis des choses de son père. The family was having a party. Sa famille était en train de fêter. And he refused to join. Mais lui avait refusé de se joindre. He became a mocker. Il était devenu un moqueur. A mocker of the promises of God. Un moqueur des promesses de Dieu. A mocker. Un moqueur. That is old people who are dancing over their one child. Que ces vieillards qui dansent à cause de leur unique enfant. De leur seul enfant. That it will eventuate in anything. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Mocked. Il s'est moqué. He didn't join his friend. Il ne s'était pas joint à ses frères. À son père, pardon. He did not join the party. Il ne s'était pas joint à la fête. He stood aside. Il s'est tenu à l'écart. He mocked. Il s'est moqué. He was not only standing aside. Il ne se tenait pas seulement à l'écart. He was not only jealous. Il n'était pas seulement jaloux. He made himself an enemy of what was happening. Il s'est rendu lui-même un ennemi de ce qui était en train de se passer. He mocked. Il s'est moqué. He was 13 years old. Il avait 13 ans. He did not join in carrying the wine. Il ne s'était pas proposé pour servir le vin. He did not join actively. Il ne s'était pas joint de façon active. He stood aside. Il s'était tenu à l'écart. And he mocked. Et il s'est moqué. Laughed at them. Il a ri de. Laughed at what the family was doing. Il a ri de ce que sa famille était en train de faire. And there are many children who are like that. Et il y a plusieurs enfants qui sont comme ça. They are not part of what the family is. Ils ne font pas partie de ce que la famille est en train de faire. They don't join what their family is. Ils ne se joignent pas à ce que la famille est en train de faire. Their family may be following God. Leur famille peut être en train de suivre Dieu. And they don't want to join. Mais ils ne veulent pas se joindre. They mock. Ils se moquent. Mama. So all this going to the prayer room every day. What? Mama. La fête est d'aller à la chambre de prière chaque jour. Ton affaire d'aller à la chambre de prière chaque jour là. You come to Tu viens à Koume pour que tout le monde puisse prier sur toi. When you
Ishmael. Are you Isaac? Es-tu Isaac? Or are you Ishmael? Ou es-tu Ishmael? How do children enter into the purposes of God? Comment les enfants entrent-ils dans les desseins de Dieu? By the joyful trust. Par une conscience joyeuse. In those who are walking with God. En ceux qui sont en train de marcher avec Dieu. For Isaac. Pour Isaac. It was the trustful surrender to a father who was walking with God. C'était un abandon confiant entre à un père qui était en train de marcher avec Dieu. It was a joyful surrender. C'était un abandon joyeux. It was believing his father. C'était le fait de croire à son père, de croire son père. It was glad obedience, even at personal risk. C'était une obéissance joyeuse au prix même, à ses propres dépens même. That is how Isaac became someone who later who served God. Voilà comment Isaac est devenu. Quelqu'un qui a servi Dieu. He did not enter the service of God directly. Il n'est pas entré dans le service de Dieu directement. He entered with his father. Il est entré avec son père. He entered through his father. Il est entré à travers son père. He did not wait for his father to give him something to do. Il n'a pas attendu que son père lui donne quelque chose à faire. He did not ask his father to appoint him. Il n'a pas demandé à son père de le nommer. Entering through his father. Entrer à travers son père. Was not a matter of asking his father to appoint him. N'était pas une question de demander à son père de le nommer. To give him a post. De lui donner un poste. To make him the head shepherd of the family. De faire de lui le chef berger de la famille. To give him 100 slaves to start controlling. De lui donner 100 esclaves à commencer à contrôler. It wasn't that. Ce n'était pas cela. It was not administrative. Ce n'était pas administratif. It was spiritual. C'était spirituel. It was relational. C'était relationnel. It was with the heart. C'était avec le cœur. He believed his father. Il a cru son père. He followed his father. Il a suivi son père. He was loyal. He was loyal to his father. Il était loyal à son père. He obeyed his father. Il a obéi à son père. He accompanied his father. Il a accompagné son père. He followed his father. Il a suivi son père. And because he followed his father, et parce qu'il a suivi son père, he was there. Il était là. When the voice came from heaven. Quand la voix est venue du ciel. That was Isaac's first time of hearing the voice of God. C'était pour Isaac la première fois d'entendre la voix de Dieu. It wasn't God talking to him. Ce n'était pas Dieu lui parlant. It was God talking to his father. C'était Dieu parlant à son père. So Isaac knew that God is real. Donc Isaac a su que Dieu est réel. Because he was there with his father. Parce qu'il était là avec son père. When God spoke to his father from heaven. Quand Dieu a parlé à son père du ciel. With an audible voice. Avec une voix audible. So Isaac heard. Donc Isaac a écouté. A entendu.
plan to go on the mountain to worship God. Isaac n'avait jamais planifié aller sur la montagne pour adorer Dieu. Isaac did not plan any retreat for spiritual progress. Isaac n'avait pas planifié une retraite quelconque pour le progrès spirituel. It was because he followed his father. C'était parce qu'il a suivi son père. C'était parce qu'il avait suivi son père. That he found himself on that mountain. Qu'il s'était retrouvé sur cette montagne. It was because he followed his father. C'était parce qu'il avait suivi son père. It was because he believed his father. C'était parce qu'il avait cru son père. That he heard the voice that came from him. Qu'il avait entendu la voix venant du ciel. It was because he had obeyed his father. C'était parce qu'il avait obéi à son père. That he was there on that mountain. Il était là sur ce mont Moria. It was because he had followed his father. C'était parce qu'il avait suivi son père. That by this surrender to the will of his father, que par cet abandon à la volonté de son père, he was acting like Jesus would act many years later in the same, on the same spot. Il était en train d'agir comme Jésus lui-même agirait plus tard sur ce même endroit. Because Golgotha, parce que Golgotha was on the same spot where on Mount Moriah, était sur le même endroit sur le mont Moriah. He acted out the redemption of Christ. Il a dramatisé. Il a dramatisé la rédemption de Christ. The giving of himself, le don de soi-même, to his father's will, à la volonté de son père, so that God can be pleased, pour que Dieu soit satisfait, pour plaire à Dieu. It was because Isaac followed his father. C'était parce que Isaac avait suivi son père. That he found himself on that mountain. Qui s'est retrouvé sur cette montagne. And then he saw a miracle. Et ensuite il a vu un miracle. Et il a vu un miracle. By being on that mountain. En étant sur cette montagne. He was able to see a miracle. Il a pu voir un miracle. He saw God provide a live lamb from nowhere. Il a vu Dieu pourvoyant à un agneau vivant de nulle part. He was on that mountain. Il était sur cette montagne. When the Lord Jesus transformed himself into a sheep in order to be slain. Quand le Seigneur Jésus s'est transformé en une brebis. En un agneau pour être immolé. He was there. Il était là. When the Lord Jesus came out of heaven and stood there like a lamb. Quand le Seigneur Jésus est sorti du ciel et s'est tenu là comme un agneau. To be slain. Pour être immolé. That's why John the Baptist, when he saw Jesus. Voilà pourquoi Jean Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, he said, il a dit, this is the Lamb of God. Voici l'agneau de Dieu. That takes away the sins of the world. Qui ôte le péché du monde. In the history of Israel, dans l'histoire d'Israël, God has provided a lamb. Dieu avait pourvu à un agneau. To Abraham. À Abraham. From nowhere. De nulle part. It was the Lord Jesus. C'était le Seigneur Jésus. Before his incarnation. Avant son incarnation. The Lamb of God. L'agneau de Dieu. Isaac was there on the mountain. Isaac était là sur la montagne. When he saw that miracle. Quand il a vu ce miracle. That in the world. Dans une montagne isolée. Suddenly there was a lamb. Soudainement, il y avait un agneau. He came from God. Il est venu. Cet agneau était venu.
est un substitut d'Isaac. Pour Isaac. Pour Isaac. He provided a substitute. Il avait pourvu à un substitut. Pour Isaac. Pour Isaac. It was because Isaac followed his father. C'était parce que Isaac avait suivi son père. That he heard the voice of God. Qu'il avait entendu la voix de Dieu. It was because Isaac was where his father was. C'était parce qu'il était. You don't say that. Même dans tes oreilles, est-ce que ça fait rien? Ça rongeait les oreilles de qui? It was because they were with the Lord Jesus. C'était parce qu'ils étaient séparés.
parce qu'ils étaient avec le Seigneur. C'est parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus. They were with the right person. Ils étaient avec la bonne personne. At the right time. Au bon moment. In the right place. Au bon endroit. He gave them the opportunity to know God. Cela leur a donné l'opportunité de connaître Dieu. He gave them the opportunity to hear God. Cela leur a donné l'opportunité d'entendre Dieu. He gave them the opportunity to see the power of God. Cela leur a donné l'opportunité de voir la puissance de Dieu. That is what happened to Isaac. C'est ce qui s'était passé avec Isaac. The father had taken 25 years to over 40 years to know God. Son père avait passé plus de 40 ans à connaître Dieu. And the father was having mature transactions with God. Et son père avait des transactions matures avec Dieu. And Isaac was a child. Et Isaac était un enfant. He entered even into mature transactions through his father. Il était entré même dans des transactions mûres à travers son père. Because he followed his father. Parce qu'il il avait suivi son père. Because he obeyed his father. Parce qu'il avait obéi à son père. Because he accompanied his father. Parce qu'il avait accompagné son père. Because he believed his father. Parce qu'il avait cru son père. By believing. En croyant. By obeying. En obéissant. By following. En suivant. He was with his father. Il était avec son père. When the voice came from heaven. Quand la voix est venue du ciel. By obeying. En obéissant. By following. En suivant. By believing. En croyant. He was on Mount Moriah. Il était sur le mont Moriah. When the Lord Jesus manifested himself as a lamb to be slain. Lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté comme un agneau à être immolé. He saw the Lord. Il avait vu le Seigneur. He saw the substitute. Il avait vu le substitut. He saw that God provides the one who will save us from death. Il avait vu que Dieu pourvoirait. Il avait vu que Dieu pourvoira à celui que Dieu pourvoit. Il avait vu que Dieu pourvoit à celui qui nous sauve de la mort. He saw it. Il l'a vu. He saw the miracle. Il a vu le miracle. He heard the voice from heaven. Il a entendu la voix du ciel. Because he had. Parce qu'il avait suivi. Because he had obeyed. Parce qu'il avait obéi. Because he had believed. Parce qu'il avait cru. That's why many people. Voilà pourquoi plusieurs personnes. Are not sure whether our vision came from God or not. Ne sont pas sûrs si notre vision est venue de Dieu ou non. They were not there. Ils n'étaient pas là. They had not followed. Ils n'avaient pas suivi. They had not believed. Ils n'avaient pas cru. They were not in the places where the presence of God was manifest. Ils n'étaient pas aux endroits où la présence de Dieu était manifeste. They were not there when the miracles happened when God provided forms for the one which he commanded. Ils n'étaient pas là lorsque les miracles se produisaient, Dieu pourvoyant au fond. Pour l'heure qu'il avait commandé. They had not seen God's hand. Ils n'avaient pas vu la gloire. They had not seen God's hand. Ils n'ont pas vu la main de Dieu. They have not heard God's voice. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. They are waiting for something when God will talk to them in a dream. Ils attendent un certain jour où Dieu va leur parler dans un rêve. So that they will say that they are like brothers. Pour que eux-mêmes ils puissent dire que nous sommes comme le frère là. Pour que eux-mêmes puissent dire qu'ils sont comme le frère là. I do. God spoke to me. Moi aussi, Dieu m'a parlé. The Boro Brazak language. Ils empruntent le langage du frère là. Without having this experience. Sans avoir cette expérience.
Isaac was there. Isaac était là. He heard a voice from heaven. Il a entendu la voix de l'ange. He saw the Lamb of God. Il avait vu l'agneau de Dieu. Il a vu l'agneau de Dieu. Because he had followed. Parce qu'il avait suivi. Not because he planned to. Pas parce qu'il avait planifié. Not because he set his goal. This year God must appear to me. Pas parce qu'il avait établi son but que cette année Dieu doit m'apparaître. Il ne savait pas que c'est comme ça que Dieu parlait à Moïse.
assumed that Moses was like them. Ils ont assumé. Ils présumaient que Moïse était comme eux. You may never know. Tu pourrais ne jamais savoir. That when another person is giving his testimony, que lorsqu'une autre personne est en train de donner son témoignage, that he is not like you. Qu'il n'est pas comme toi. You borrow in the language. Tu empruntes le langage without having the reality. Sans avoir la réalité. Aaron and Miriam were prophets. Aaron et Miriam étaient des prophètes. But they did not know. Mais ils ne savaient pas. That Moses was not like them. Que Moïse n'était pas comme eux. That even amongst prophets, que même parmi les prophètes, there are different calibers. Il y a calibers. Il y a des calibres différents. That's the way. There are prophets like Moses. Qu'il y a des prophètes comme Moïse. To whom God talks directly. À qui Dieu parle directement. Who hear the voice of God. Qui écoute la voix de Dieu. Who see the form of God. Qui voit une forme. Qui voit la forme de Dieu. So when Moses was leading, donc quand Moïse est dirigé, Miriam and Aaron, they used to criticize him, thinking that he hears God the way they hear God. So they were wondering, why is he so sure? When God speaks to us, we are not so sure. But look at him, he seems so sure. Why does he think that he's so sure? Donc, lorsque Moïse dirigeait le peuple, Miriam et Aaron avaient l'habitude de le critiquer, se disant que Dieu leur parle, que Dieu lui parle comme Dieu leur parle. Donc ils avaient également l'habitude de se Donc ils se demandaient pourquoi Moïse avait l'air si sûr. Pensant que Dieu parle à Moïse comme il les parle. Parce que la manière de parler de Dieu à eux était telle qu'ils ne pouvaient pas être si catégorique. Mais pourquoi Moïse, lui, il est si catégorique? Pensant que Dieu parle à Moïse comme il les parle. Tu ne peux pas savoir ce que l'autre connaît. Parce que tu penses qu'il est comme toi. Jamais.
parler, tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui a dit, ils font ma déduction, ma dame. Donc ils ne savent pas que Dieu peut parler. Je veux juste faire. Oh,
dans ce